Salve a tutti, sono Gildo. Oggi visitiamo il frutteto Il Vergé La Croix. Il Vergé La Croix è un'azienda che produce e che coltiva differenti varietà di mele. Allora, andiamo a incontrare i proprietari che ci mostreranno le loro delizie. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Oui, enchanté. Oui. Qui aujourd'hui, on est venu pour que tu nous montres parmi quelques-unes de tes spécialités. Oui, bienvenue chez nous au Verger. C'est ça, je vais vous montrer les produits qu'on fait en pot ici au Verger, tout à base de pommes. Bon, alors je vais vous parler de nos produits. Ici, on a notre caramel de pomme au feu sacré. Le feu sacré, c'est un de nos cides qu'on fait ici. C'est vraiment, on le fait à partir du jus de pomme qui est évaporé dans un feu de bois d'épave. Fait que ça va faire un jus de pomme caramélisé. Ensuite, il y a un ajout d'eau de vie de pomme pour élever ça à 16%. Moi, je le mets dans mon caramel. Fait que ça vient donner un goût un peu plus particulier, mais il n'y a pas le goût de l'alcool parce que c'est tout évaporé. Oui. Il y a du jus de pomme aussi. Ensuite, j'utilise la vraie crème et du vrai beurre pour donner vraiment le goût onctueux en bouche. Là. Fait que ça peut se manger autant avec de la crème glacée, des toasts ou le poulet sur un gâteau blanc. À la cuillère, bien on les aide aussi dans le pot. Certainement, il y a du monde qui font ça. La ribambelle, c'est une confiture de pommes. Alors, c'est des fines lanières de pommes. Ensuite, la honeycrisp, parce que les gens aiment vraiment beaucoup cette sorte de pomme-là. Alors, je l'ai faite vraiment, je voulais juste vraiment travailler cette sorte de pomme-là. Et j'ajoute un petit soupçon de poivre rose pour amener la touche qu'on peut pas juste la manger avec les toasts, mais aussi avec fromage et de la viande. Fait que ça fait vraiment un bon équilibre. Et je suis sûre que vous allez être capable de trouver plein d'autres choses en pâtisserie à faire avec ça. Merci Gabriele. Merci beaucoup. Alla prochaine. Oui. Adesso ecco qui ci troviamo in presenza della signora Danielle, che è una delle proprietarie del Vergé La Croix. E noi lei ci spiegherà un poco le varietà delle mele che ci sono e qual è che è la migliore per la cottura. E voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous parler des pommes, étant un chef pâtissier, donc la Cortland, c'est une pomme que vous connaissez sûrement. Les gens nous demandent toujours au verger, quelle est la pomme pour faire les tartes? C'est la Cortland, qui est vraiment une pomme à dessert. Nous, ici, on cultive 16 variétés de pommes. Les pommes en partant de les pommes qui sont variétés hâtives, donc qui sortent à la mi-août, comme la Jersey Mac, la Polarhead, et on va vers la fin septembre avec des pommes justement comme Cortland. Donc on est en plein actuellement dans la bonne période. La Cortland va être prête à cueillir dans les prochains jours, bien mûre. C'est une pomme qui a comme caractéristique de rester blanche. Donc à la cuisson, elle ne perdra pas sa couleur de blanche, donc ça va faire des beaux desserts. Et elle va rester entière en morceaux. Donc ce qui nous permet de faire des bonnes tartes à pain justement et que ce soit joli. Avec les chaleurs exceptionnelles, Dieu merci, on a eu un été qui était plus frais, donc le sucre était déjà présent. Maintenant, le soleil fait que la pomme va être très rouge et délicieuse à manger. OK. Mais merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir.